Je suis fatigué d'être extrêmement persécuté par toi. J'aimerais que tu saches une chose. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Mais il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami avec qui tu mangeais, qui venait à tes spectacles te farouter. Et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais te rendre. Et que tu as rempli la mission et que ça a mal tourné. Quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France, parce que tu avais pour interdiction d'atterrir sur le territoire français, vu tes problèmes, et que par Léa, tu as été retrouvé en France, et que tu voudrais avoir les papiers de l'ONU, et que tu veux avoir ton asile, dis la vérité aux gens. Ton frère, arrête de faire croire aux Camerounais que tu aimes, que tu détestes le régime. Arrête de vouloir faire aux Camerounais que ce régime tu détestes. Tu as mangé avec Boutez. Tu manges avec tous les ministres. Tu étais avec Bankui, le commandant Bankui ne faisait aucun événement à que tu ne sois là. Tu étais avec Kabbala matin, midi et soir. Ce n'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui tu es en France et que tu veux l'asile que tu vas faire ce que tu fais là. Qu'est-ce qu'on appelle dans la vie le karma? Et le karma, il existe. Fais très attention. Sur le RPC, moi, je mets au phénomène de film entre la République Libreville au Gabon. Alors, j'ai fait cette vidéo pour dire à mon ami, un frère, vraiment chapeau. Cela peut-être qu'il prend le temps, mais il est important que tu puisses dire, expliquer la vérité. Mesdames et messieurs, je voudrais faire savoir, pas seulement à mes lampadaires, mais à vous qui me combattez, à vous qui vous battez pour déstabiliser au quotidien, comme quoi, je ne sais pour quelle raison. J'ai toujours été celui-là que injustement on condamne, on juge, on accuse et autres. J'avais dû prendre la résolution comme quoi que je ne devais plus me justifier pour quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, ceci embêtait déjà, déstabilisait ma famille et tout. J'ai toujours été celui-là qu'on accuse à tort et tout. Bon, je comprends qu'aujourd'hui le game a changé. Et qu'il y a certaines personnes qui font vivre les pages. Certaines personnes qui se passent pour blogueurs ou blogueuses. Ou font vivre les pages et essaient de trouver des sujets ou bien des commentaires. Ou essaient de fabriquer des histoires autour de Figon que je suis. Ou placer les produits. C'est bien beau. Mais je vais vous dire à travers cette vidéo, faites très attention. Il est tellement facile pour vous. Parce que vous venez vendre vos produits, vous dites des choses absurdes, vous dites des choses horribles à ma personne. Sachez qu'autour de moi, il y a une famille, il y a des personnes qui vivent grâce à moi. Quand vous le faites en ne pensant qu'à vous, c'est bien beau. Mais pensez à votre progéniture, à vous. Parce que si le karma vous le prouve, votre progéniture payera. Il y a une période comme quoi où c'est chacun qui disait, je fais partie de ceux-là qui promettent et n'assument pas. Je ne sais à qui j'ai déjà promis. Je ne sais où j'ai promis. Il y a eu mon fiston là qui a fait une sortie, peut-être booster sa part. Un fiston que j'aime tellement, que j'apprécie d'ailleurs. J'avais promis au deuil de X, un deuil où il était entre les puces de sa maman. Les gens n'ont pas cherché à savoir si c'est vrai. Ils se sont déversés sur vous. Et ont tout dit. Là-bas, c'est autre chose. J'ai apprécié la sortie de mon frère d'un être homme. Cela a dû peut-être prendre du temps. Mais la vérité, en effet, c'est un plat qui se mange à froid. Je vais vous parler, en effet, de la personne de Lordel Lordel. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Que pour moi, on n'est pas considéré seulement comme un artiste ou quoi, mais c'est un frère. Parce que s'il y a quelqu'un, où il y a eu ceux-là qui m'ont fait rêver, l'Occident, il en fait partie. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares personnes qu'à un moment donné, malgré ses problèmes, m'avait appelé et me dit, gars, est-ce que tu sais qu'il est temps que tu puisses faire des tournées européennes? Et par la suite, avant d'envoyer une lettre d'invitation
À titre de rappel, l'aide d'invitation n'est pas synonyme de visa. Que de par la lettre d'invitation, j'ai dû user de mes relations pour que nous puissions obtenir un visa pour notre pro, pour notre premier spectacle en Europe. Que nous n'avons pas eu un cachet. On n'a pas eu de cachet. Mais ça ne nous a pas dérangé parce que le plus important pour nous, c'était de découvrir. Mais ceci n'a pas empêché, comme quoi, que nous puissions saisir les opportunités. Mais, grande était ma surprise à un moment donné, quand il a commencé à s'acharner sur la personne que je suis. Lui seul sait réellement pourquoi. Je ne sais pas si ceci était dû au fait qu'à un moment donné, il me demande de faire une pétition parce que j'étais animateur dans une chaîne de radio, RTM, de faire une pétition où des artistes devaient signer et que je puisse introduire auprès de l'ambassade de France de soutenir sa thèse afin qu'il puisse être acquis à ses problèmes. Mais, sauf qu'à cette époque, aucun artiste ne voulait adhérer à ça. Que je lui ai expliqué, il a voulu rien entendre. Ce qui fait que quand il est sorti, il a réveillé une histoire qui n'avait ni tête ni queue, dont nous étions une fois à Yaoundé, où il était dans ma voiture, il a pris sa chaîne et mettre dans ma boîte à dents. On a fini ce qu'on avait fait à Yaoundé, sans toutefois m'informer comme quoi que la chaîne était dans sa boîte à dents. Quand on finit, je la dépose à son hôtel en soirée parce que cette voiture, je l'avais perdue. Elle était arrivée au Cameroun, elle n'a même pas fait 3 mois. En soirée, parce que je suis fan des matchs, hein, avant mon coucher, il y avait un derby. Donc France, il y avait un derby dans. Tu vois, c'est le mot que je te dis. J'avais dit. Je pas ce qu'il te dit. Il y avait un derby espagnol, donc FC Barcelone, Real de Madrid. Et moi, je suis fanatique du beau football. Moi, j'aimais tellement le FC Barcelone parce que ça méritait au thé au FC Barcelone. Mais ce jour, le Real a battu le FC Barcelone. Ça m'a traumatisé. Je suis allé dormir plutôt que prévu. Maintenant, mon petit, un de mes petits à cette époque, qui s'appelle Gabonais, avec bien dosé, parce qu'il s'appelle aussi bien dosé. Hein, à cette époque, il s'appelait Tchafa. C'est mon fiston. Avec qui je suis toujours partout. Avec qui j'ai fait ma vieille. Ils ont décidé de faire une sortie. Ils sont sortis jusqu'à une certaine heure. Le Gabonais a laissé bien nos vies dans un cabaret pour aller chez sa copine. Il roulait tellement à grande vitesse. Il est allé frapper sur un poteau électrique avec ma voiture. À Essos, il était près de 3 heures. Il a perdu connaissance et que des intervenants ce jour ont pris tout ce qu'il y avait dans la voiture. Quand j'arrive sur les lieux, je fais le constat, je vais à l'hôpital, machin et tout. 2 jours après, c'est moi qui appelle mon ami et frère pour lui informer. Comme quoi, voilà. Il y a eu tant. Il me dit non, je ne veux rien entendre, tu vas me payer ma chaîne, ou je sentais que tu as volé ma chaîne. Chose qu'à un moment donné, il me tenait en chantage. Il disait qu'il veut entendre que j'ai volé sa chaîne. Quand je suis allé en Europe et que j'ai décidé de me baser en Europe, c'était sur toutes les plateformes. Et à chaque fois, je disais Tanier, témoin, Chop Chop, témoin et autres. Je l'ai appelé de l'Europe. Je lui ai dit est-ce que personnellement, nous n'avons pas un problème que tu ne voudrais pas me dire? Il me dit, je ne vais pas te prendre. Il dit, ok, j'arrive au Cameroun tel jour. Moi, j'arrive au Cameroun. Je l'ai cherché jusqu'à ce que je l'ai retrouvé. Je lui ai dit, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Même si cette chaîne coûtait des milliards, peut-être à une certaine époque, je n'avais pas les capacités ou les possibilités à m'offrir une chaîne de cette valeur. Maintenant, pour le dégât que tu as fait, qu'est-ce que je peux faire pour que tu arranges ça? Il me dit, donne-moi 500 000. 500 000. J'ai réuni 500 000. On s'est retrouvé chez un ami commun, Gilles Le Pétrolier. Davis Mamoki était là autour d'un buffet où il a perçu les 500 000. On a fait des vidéos où il a dit vraiment le diable veut nous séparer et tout. Il a perçu 500 000 francs parce que je lui ai dit laisse-moi tranquille. Et par la suite, je lui ai proposé ok, il faudrait que nous puissions saisir l'occasion pour organiser un événement. Est-ce que tu peux organiser? Il me dit non, toi fais-le. J'ai dit bon, ok, je vais donc le faire, mais je te paye combien? On a arrêté une somme. Il me dit vas-y, lance la promotion. J'ai engagé la promotion jusqu'à un certain moment donné. À 5 jours de l'événement, il me dit que la somme dont il a accepté, là, c'est petit. Vu la réaction des gens, des personnes, et vu la manière dont les gens l'appellent partout, que je dois quadrupler. J'étais obligé de lui courir après, comme une copine que j'étais en train d'essayer de conquérir. Néanmoins, je l'ai retrouvé. Et la somme dont il lui et moi, s'est entendu.
Je lui ai donné, il a fait une décharge, que j'ai la décharge. On a fait une très belle soirée au cinéma Eden, où il m'a dit, je te pardonne, je m'en excuse, ma chaîne et tout, c'était terminé. Je suis à chaque fois surpris qu'il me persécute. Je suis à chaque fois impressionné qu'il essaie de me déstabiliser. Je ne sais pas si, personnellement, il a un autre problème qu'il n'a jamais voulu me dire. Je ne sais pas s'il y a autre chose qu'il me... Je ne sais pas s'il m'en veut, en fait. Mais je voudrais, à travers cette vidéo, dire à mon frère et ami Simon, avec tout ce que j'ai fait pour toi, que je ne voudrais pas citer ici, avec tout ce que j'ai essayé d'apporter dans ta vie, dans ta carrière, quand tu étais en difficulté, si à travers tout cela, tu estimes que tu me réclames ou bien je te dois autre chose, appelle-moi, dis-le. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être persécuté par toi. Je suis fatigué d'être extrêmement persécuté par toi. Je voudrais que tu saches une chose. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Mais il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami avec qui tu mangeais, qui venait à tes spectacles te farouter. Et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire avant. Et que tu as rempli la mission et que ça a mal tourné. Quand on décide de participer, quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France, parce que tu avais pour interdiction d'atterrir sur le territoire français, vu tes problèmes, et que par Léa, tu as pu te retrouver en France, et que tu voudrais avoir les papiers de l'ONU, et que tu veux avoir ton asile, dis la vérité aux gens, mon frère. Arrête de faire croire aux Camerounais que tu aimes, que tu détestes le régime. Arrête de croire aux Camerounais que ce régime, tu détestes. Tu as mangé avec Boutez. Tu mangeais avec tous les ministres. Tu étais avec Bankui. Le commandant Bankui ne faisait aucun événement sans que tu ne sois là. Tu étais avec Kabbalah matin, midi et soir. Ce n'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui tu es en France et que tu veux l'asile que tu vas faire ce que tu fais là. Il y a ce qu'on appelle dans la vie le karma. Et le karma, il existe. Fais très attention. Bref, là n'est pas mon dada. En ce qui me concerne, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas si c'est la petite personne que je suis qui te dérange, qui t'embête. Si tu as quelque chose à me réclamer, mon frère, dis-le-moi. Même si ça coûte combien, je te donne. Je ne sais pas ce que toi, aujourd'hui, tu auras que je n'ai pas. Parce que doute fort que ce que tu peux avoir, je n'ai pas fois 4 ou fois 10. Gaffe, fais gaffe. J'ai des grands enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, mes enfants sont sur Android. Si tu n'as pas une famille, tu ne restes pas ta famille, tu ne restes pas les enfants, ce n'est pas le cas chez moi. Arrête avec mon nom. Arrête. D'ailleurs, que cette chaîne que tu as dû mettre dans ma boîte à gants, elle ne t'appartenait pas. Elle appartenait à Fouille, qui est là-dedans. Maintenant, si tu as une facture, malgré le fait que je l'ai payé, repayé, que tu estimes d'avoir repayé, envoie-moi cette facture. Je paye, tu laisses mon nom tranquille. Je vous montre là, il se passe bien les choses à vous dire.